Frustration, frustration. Avant de commencer, tant que j'y pense, j'aimerais présenter mes excuses par rapport à un petit truc. Depuis quelques épisodes, je suis un peu trop insistant, je trouve, par rapport à Zéna et au fait que j'aime pas ou par ses directions, au point où j'en suis allé à m'attaquer à certains commentaires. Et c'est pas ce que je voulais faire. Je me suis déjà repris au début de la saison 3 en disant que j'étais un peu trop acerbe avec les gens qui disent « Ah, mais c'est évident que Regina va être gentille », alors que pour moi ça l'était pas à ce moment-là. Et ouais, là je fais la même chose avec Zelena et c'est pas la bonne chose à faire. Donc ouais, je trouve qu'elle est mal gérée, très sincèrement. Je n'ai pas attaqué les commentaires qui disent ça, surtout de façon aussi crue et pas très polie comme je le fais. Et ouais, c'était. Ça vient un peu en partie du fait que, avec le nouveau planning que je me suis fixé, j'ai moins de temps pour moi et ça me stresse un petit peu, mais c'est pas une excuse, quoi. Je ne devrais pas faire ça, donc je tiens à m'excuser si vous êtes fan de Zelena, enfin si vous êtes fan de Zelena et que vous continuez à suivre ces vidéos, déjà bravo pour votre patience. Et ouais, je vais essayer de me calmer un petit peu, hein, ça m'éviter, ça m'empêchera pas une seconde de dire du mal d'un point scénaristique autour de Zelena, mais je vais pas aller autant dans ce mode désabusé et complètement vénère à chaque fois, quoi. Je vais essayer de me calmer un petit peu. Donc c'est dit, l'histoire est centrée sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans cet épisode 4, et on découvre un petit peu rapidement le résumé de la base de l'histoire de ce type-là, c'est-à-dire que Dr. Jekyll a prévu un sérum pour détacher le côté impulsif d'une personne et son côté sensé réfléchi. Enfin, techniquement, c'est ce qui a été dit, quoi. Les pulsions, la bête qui est en nous, on la met à part et puis il y a notre raison d'à côté. C'est un peu ce qu'il a voulu faire. Et ben, il y a un docteur qui est, je suis sûr, c'est le même acteur que celui qui a joué le dirigeant de l'asile dans lequel était Alice dans Once Upon a Time in Wonderland. Voilà, une autre façon de désavouer cette série spin-off, c'est de prendre un acteur qui a joué tant pour le faire jouer un autre rôle. Apparemment, c'est ça. Peut-être que je me trompe, reprenez-moi si je ne sais pas le même acteur, mais ouais, je suis presque certain que c'est le même. Et donc, ouais, le docteur lui dit non, non. Au début, parce que oui, il trouve que ses expériences sont dangereuses, donc c'est comme l'histoire de base. Et c'est là que Rumpelstiltskin apparaît devant Dr. Jekyll en lui disant que il y a moyen qu'il arrive à s'en sortir en faisant ressurgir sa partie un peu plus impulsive et que ça puisse l'aider à mieux se faire entendre auprès du docteur. Et ben, il se fait vite convaincre, docteur Jekyll, sachant que oui, Rumpelstiltskin, grâce à sa magie, il parvient à équilibrer son sérum et à le rendre effectif, et donc il le boit, Dr. Jekyll, il devient Mr. Hyde, et Mr. Hyde qui est plutôt calme pour quelqu'un qui est censé céder à ses impulsions pour être la bête intérieure en lui. Bon, c'est intéressant dans cet épisode, et la façon dont Mr. Hyde est géré par rapport à son flashback, parce que c'est pas le bien et le mal en fait, il n'y a pas un manichéisme très présent là-dedans, c'est vraiment Mr. Hyde, c'est le côté plus impulsif de lui, et alors que Jekyll, c'est censé être la raison. Sachant que oui, je reviendrai là-dessus, parce que oui, la raison, mon cul, quoi, c'est par rapport à plus tard, mais ouais, il y a un côté plus réservé de l'un et plus ouvert de l'autre, et c'est pas vraiment méchant gentil à ce niveau-là, clairement pas. Je reviendrai sur le gros problème que ça apporte, parce que c'est un peu le gros problème que ça apporte, mais au sein de l'épisode en lui-même, c'est intéressant. Donc ouais, Mr. Hyde se présente à une soirée et fait du chantage, hein, au docteur pour qu'il accepte ses travaux, pour qu'il accepte de l'inclure dans une espèce d'académie de cercle privé qui l'aidera à financer ses recherches et tout. Voilà, un gros coup de chat, il s'avère que le docteur est libertin et trompe sa femme. Wouah! Ça aide bien, ça, hein? Si ça n'avait pas été le cas, comment il aurait fait, Mr. Hyde, hein? Et donc, ça permet d'aider Dr. Jekyll. Et puis, suite à une autre suggestion Rumpelstiltskin, Mr. Hyde, Dr. Jekyll décide de se retransformer en Mr. Hyde pour l'aider à se mettre avec la fille qu'il aime, Marie,
Voilà. Au passage, Mr. Hyde, qui au début est vachement conciliant, quoi. Il aide, il veut aider Mr. Hyde dans ses travaux, c'est très bien, ok, il partage la même vie, d'accord, mais lorsqu'il aborde Marie, il se dit, ouais, je viens au nom de Dr. Jekyll, il a des sentiments pour vous. Ouais, impulsion, pas tant que ça, quoi. C'est sur le principe, impulsion, pas tant que ça, quoi. S'il est prêt à œuvrer pour Dr. Jekyll à la base, je trouve ça un peu dingue, quoi. Mais c'est juste après que Marie lui a dit, ouais, j'aime bien Dr. Jekyll, mais il est trop réservé, et il a tendance à considérer les émotions, les impulsions comme des choses néfastes, alors que pour moi c'est très important ça, et je ressens beaucoup ça chez vous, donc je suis attiré par vous, faisons l'amour tout de suite! Ouais, la nuit même, il se met dans son lit, quoi, Mr. Hyde. Et c'est là que Dr. Jekyll se réveille, oui, parce que voilà, ça se passe un peu comme ça, quoi. Le lendemain, Dr. Jekyll se réveille, et sans savoir exactement ce qu'a fait Mr. Hyde. Et donc, il découvre que Marie a accouché avec Mr. Hyde, et il le prend mal, il s'énerve, etc. Et il a ces grosses impulsions qui lui reviennent. Ah ouais, tiens, pour quelqu'un qui n'est pas censé être impulsif, et qui le font balancer Marie du haut de la fenêtre par jalousie. Waouh! Donc ouais, hein, apparemment ça a pas trop séparé le côté impulsif et le côté raisonné de Dr. Jekyll, ça, techniquement. Ouais, c'est un petit peu un peu moyen ça, et il décide, pour se tirer d'affaire, de faire porter le chapeau à Mr. Hyde en se retransformant juste à ce moment-là, pour que bah, on accuse Mr. Hyde et pas Dr. Jekyll. Voilà, et on découvre à la fin que la raison pour laquelle Rumpelstiltskin a orchestré tout ça, parce que oui, sans Rumpelstiltskin, il n'y aurait pas eu tout ça, et ben c'est parce que, et il le raconte à la toute fin, ça, plus tard que dans le flashback, c'est parce qu'il voulait faire en sorte de se détacher de la partie de lui qui commençait à éprouver des sentiments pour Belle, et il s'est rendu compte que non, quoi, ça aidait pas ça, et que Dr. Jekyll, comme Mr. Hyde, avait éprouvé quand, toujours des sentiments, et que ça l'aiderait pas plus que ça. Voilà pourquoi il a participé à ça, et voilà le grand lien entre Hyde Jekyll et Rumpelstiltskin. Voilà le grand lien. Ouais, c'est le genre de truc qui fait vraiment crier à la vengeance, ça. Hein. Et puis, je comprends même pas pourquoi Rumpelstiltskin l'a pas tué. Il dit, ah, je devrais vous tuer, mais non, vous méritez pas ce sort-là. Donc, je vais vous envoyer dans le royaume des histoires non racontées à la place. Et ça sera tout ce qu'on aura, hein, vu le destin qui attend Dr. Jekyll et Mr. Hyde à la fin de cet épisode concernant leur passé. On n'expliquera pas du tout comment ça se fait que Mr. Hyde est super méga puissant, résiste à la magie et tout. On n'expliquera pas du tout comment il a su tous les trucs qu'il sait, comment il arrive à savoir des trucs que Rumpelstiltskin ne sait pas, notamment le temple de Morphée, comment il arrive à savoir tout ça, si techniquement il n'a pas pu quitter le royaume des histoires non racontées. Et surtout, ouais, comment il a réussi à mettre en place cette espèce de système où il force Dr. Jekyll à être son captif, ou ce type qui surveille Dr. Jekyll. C'est qui ce type? Comment il l'a rencontré, Mr. Hyde? Comment il l'a rallié à sa cause? On ne sait pas. Oui, le gardien là qui empêche Jekyll de se barrer et qui est aux ordres de Mr. Hyde. Comment il est arrivé là? Pourquoi il le suit? On n'explique pas ça, on n'explique rien à cette situation-là. Et c'est le gros problème que j'ai avec ça. C'est-à-dire qu'on met en place quelque chose où certes, ça ne nie pas complètement le fait que Jekyll pourrait être un méchant, quelqu'un qui a un passé sombre et tout. Ça ne le nie pas complètement, donc sur ça, je ne vais pas me plaindre. Mais le fait que... Et vous expliquez absolument rien de cette situation qui est pas banale à la fin de la saison 5, en disant ouais, ils se sont retrouvés là et puis tout d'un coup ça s'est goupillé pour finir comme ça. Je suis désolé, mais c'est frustrant, c'est vachement frustrant.
Voilà, il y a beaucoup de gens qui, à la fin de Lost, se sont plaints qu'on n'expliquait pas tous les mystères. Et je suis d'accord sur certains points. Il y a certains moments des mystères qui sont pas bien justifiés ou pas super bien expliqués. Mais quand on prend la peine de regarder un peu en détail la série, il y a quand même beaucoup de choses qui sont expliquées. Et à la fin de la série, je me sens pas complètement lésé, quoi. Ça va, c'est tout à fait acceptable ce qu'ils expliquent là. Mais dans la série Once Upon a Time, ils introduisent énormément de trucs, et étant donné qu'ils butent les personnages ou qu'ils créent des arcs qui sont un peu indépendants presque, ils s'emmerdent pas à expliquer énormément de trucs, et c'est frustrant, c'est ultra frustrant. Donc ouais, on saura pas pourquoi Mr. Hyde savait autant de trucs. L'oracle vers lequel il a conduit Emma dans l'épisode 1, je sais pas du tout d'où ça sort, comment il la connaît et tout et tout. Pourquoi il a voulu manipuler Emma pour savoir ça, il n'y a rien à foutre. Comment il a connu le sauveur? Tchè, rien. Que dalle. Un personnage qui a énormément de potentiel, il a une super force, on ne sait pas comment, il sait énormément de trucs, on ne sait pas comment. On va le balancer, je vous dis tout de suite, il va être viré à la fin de cet épisode. Sans expliquer rien de tout ça. C'est méga frustrant. Méga frustrant. Enfin bref, dans le présent, Mr. Hyde donc est en liberté et va pas aider Regina plus que ça. En fait, il n'en a rien à foutre de la méchante reine, Regina la méchante reine. C'est presque comme si elle était là juste pour servir d'excuse pour le libérer et faire en sorte que ça amène sa mort à la fin de l'épisode, quoi. En gros, hein. Et donc, il vient voir Rumpelstiltskin qui s'est fait faire une nouvelle coupe de cheveux, au passage. Voilà, il s'est coupé les cheveux plus courts. Histoire de dire. Et tout le monde dit, ah ouais, ça te va bien, ça met bien en avant tes yeux. Non, je trouve ça un peu plus moche, personnellement. Ça c'est un truc que beaucoup de. Que j'ai peur dans beaucoup de séries, quoi, quand on a un personnage qui a un style de coupe de cheveux qui diffère de l'ordinaire, parce que l'ordinaire c'est toujours la coupe très courte, où ça parle un petit peu ampli, mais sinon c'est très court et il n'y a pas de problème, hein. Pour les mecs c'est toujours ça, hein. Et souvent. Il y a cette tendance au bout d'un moment, à ce que l'acteur se dise, merde, j'ai plus envie. Voilà, je me les coupe et vous insérez ça dans votre série. C'est un peu l'impression que ça m'a donné. L'impression que l'acteur se dit, non, non, j'en ai marre de cette coupe, hein, vous pouvez pas me faire autre chose. Ok, très bien. Donc ils se sont balancés ça là-dedans. Détail à la con, ça détail à la con. Hyde qui se rend donc auprès de Rumpelstiltskin pour lui piquer un collier. Et Rumpel n'est pas super content de lui faire ça, donc il essaye de le tuer, de l'étrangler, mais il peut pas parce que, ouais, c'est le truc dans le fait d'être un double par le sérum que Jekyll a créé. Ben, on ne peut pas mourir quoi qu'il arrive. Hein, pareil pour Regina et tout, quoi. Et donc, étant donné que Rumpelstiltskin ne peut pas le tuer, il abandonne l'idée. Il dit d'accord, il lui laisse prendre le collier qu'il est venu chercher. Oui, c'est un collier qui appartenait à Marie, valeur symbolique, tout ça, tout ça. Et t'as des tonnes d'autres solutions pour t'en prendre à lui, surtout quand il apprend que Jekyll va s'en prendre à Belle, justement, quoi. Il se dit après ce que tu m'as fait, sachant que ouais, c'est un peu toi qui t'es fait ça tout seul, hein, c'est pas lui qui a amené le fait que t'as été malheureux recherché, c'est Jekyll qui a amené ça, techniquement. Et donc ouais, je veux bien que tu lui en veuilles de t'avoir amené dans le pays des histoires non racontées à cause de ça, complètement d'accord, mais ouais, il y a bien quelqu'un à qui tu devrais en vouloir, c'est Jekyll, complètement. Et donc ouais, Rumple pourrait facilement, je sais pas, l'enchaîner, le foutre dans une cage au fond de l'océan et faire en sorte qu'il puisse plus jamais en sortir en vivant éternellement sans pouvoir crever, mais sans jamais aller nulle part. Ce serait un destin atroce, ça. Il pourrait le faire. Il pourrait trouver des tas de moyens de le rendre complètement HS, de faire en sorte qu'il puisse plus rien faire.
Sans avoir à le tuer, il y a des destins bien plus cruels que la mort. Et non. Il fait pas. Il le laisse partir comme un con. Ouais. Bien. Wouh. Légèrement con, un peu Stiskin, hein, légèrement con. Et donc, ouais, il décide donc de se rendre auprès du bateau de Kilian alors que ce dernier déménage pour y laisser emménager Belle, pour la forcer à y rester grâce à un super sort de protection qu'il a créé contre Mr. Hyde. Au passage, le Dr. Jekyll et Mr. Hyde sont techniquement la même personne, la même base de la même personne, mais Jekyll pourra y entrer dans cette. Dans ce sort de protection, hein. C'est pratique, hein. Ça aide bien le scénario, ça. Et donc, pendant tout ce temps, Dr. Jekyll est sur le qui-vive, de même que nos héros, parce que Mr. Hyde est relâché, et donc ils sont en train de travailler dans un espèce de grange, avec Grincheux qui fait une apparition rapide, qui amène un échange intéressant avec Dr. Jekyll. Bon, on sait pas encore à ce moment-là que Dr. Jekyll est un peu un sale con lui-même, hein, qui a un passé très trouble. Donc ouais, ça crée une espèce de moment un peu drôle entre eux où il lui commande un sandwich. J'ai faim, ça m'aide à réfléchir, s'il vous plaît. C'est plutôt drôle, puis ça accentue son côté un peu salaud plus tard. Et alors que tout le monde est un peu à la recherche de Mr. Hyde, eh ben sa protection par Grincheux et Prof n'aide pas beaucoup puisque la méchante reine les endort en 2 temps 3 mouvements. Et Mr. Hyde casse complètement tout son œuvre en se barrant. Seulement voilà, il semblerait que Dr. Jekyll ait un peu prévu le coup à l'avance et ait caché une fiole de son produit fini sur lui avant que Mr. Hyde n'arrive pour tout casser. Et donc lorsque Regina et Rumpelstiltskin arrivent pour gérer un petit peu ça, il leur en parle et Rumpelstiltskin force Regina à faire en sorte que seul le produit soit utilisé contre Mr. Hyde. Enfin, il force le produit qu'il a créé à être appliqué sur sa dague pour pouvoir être le seul à décider sur qui il l'utilisera. Parce qu'il a dit qu'il a fait un marché avec Regina pour pas qu'il lui fasse de mal. Avec la méchante reine pour pas qu'il lui fasse de mal. Non! Non, pas dans mes souvenirs, le seul marché que t'as fait avec la méchante reine, c'est de lui donner ta putain de pièce en étain à la con pour qu'elle ne s'en prenne pas à Belle. C'est le seul marché que vous avez fait. Et donc, t'as fait aucun marché pour ne pas lui faire du mal, hein. Ou alors, j'ai zappé un truc, il y a un détail dans l'épisode précédent que j'ai pas bien écouté, mais le seul marché que vous avez fait, c'est ça, hein. C'est le seul marché que vous avez fait. Donc, tu lui dois absolument rien à la méchante reine. En fait, je pense même que, étant donné que tu l'as vu jubiler par rapport au fait qu'elle allait laisser sans que ça la gêne Dr. Jekyll s'en prendre à Belle, je pense que t'aurais plutôt envie de la tuer toi aussi, la méchante reine, hein, plutôt que de dire ah non, 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 on fait un marché ensemble, quoi. Je vois pas pourquoi t'en aurais quelque chose à foutre qu'elle soit en danger, la méchante reine. Donc, j'ai pas compris ça non plus, hein. Pas bien fichu pour moi, pas bien fichu. Mais bon, il décide de foncer s'en prendre à Dr. Jekyll qui s'attaque rapidement à Emma et David qui ont une petite apparition histoire de dire sans leur faire de mal parce que ouais maintenant on essaye d'appuyer le fait que Mr. Hyde est pas si méchant que ça. Sauf que si, il a été méchant, il les a gardés enfermés sans aucune raison lorsqu'ils sont tombés dans le pays des histoires non racontées. Il a essayé d'être un peu un salaud, il a joué un Hannibal Lecter avec Emma plus tard et ouais quoi, non, hein, c'est pas un gentil, Mr. Hyde. Donc je comprends pas pourquoi il les a pas tués direct quand il avait l'opportunité, mais. C'est pas grave, petite erreur de mise en scène, ça. Il y a Rumpelstiltskin qui apparaît pour le poignarder, donc avec sa dague. Oui, ça pouvait pas être autre chose que sa dague, au fait. Hein, ça aurait pu être n'importe quelle autre arme, au passage, mais il fallait que ce soit sa dague. Et ben, il s'avère que ça marche pas parce que Mr. Hyde avait échangé les fioles. Il s'était dit, ah oui, il avait vu en avance par rapport à Dr. Jekyll, et il avait échangé les fioles, et donc ça contient rien du tout, sa fiole. Je trouve ça dingue que personne n'ait pensé à vérifier. Au passage, donc ça ne marche pas et Rumpelstiltskin, tel l'abruti qu'il est dans cet épisode, parce que vraiment il est un petit peu con sur les bords, lâche l'emprise sur sa dague
ce qui permet à Mr. Hyde de mettre la main dessus. Vous savez, je comprends que ce soit la seule faiblesse que Mr. Hyde, que Rumpel Stiskin puisse avoir maintenant avec Pell, ce genre de truc, mais c'est pas en amenant des gens à prendre le contrôle sur la dague de façon si forcée que vous arriverez à rendre ça crédible. De quoi Mr. Hyde contrôle la dague du Ténébreux maintenant, sachant que je vous cache pas que dans l'absolu, ça aurait pu, l'histoire aurait pu être à peu près la même si il n'avait pas eu l'emprise sur la dague du Ténébreux. Parce que voilà, Dr. Jekyll, après cette histoire-là, se rend dans le bateau de Killian, qui à nouveau a un sort de protection contre Hyde, qui ne marche pas contre Jekyll, alors que c'est censé être techniquement la même personne, bravo quoi. Et il décide tout d'un coup de virer psychopathe. Je veux dire, qu'on soit d'accord, dans le flashback, il a viré fou dangereux, parce que voilà, il s'est senti trahi et tout, c'était un chagrin d'amour, crime passionnel, c'était un peu rapide pour moi, je vous le cache pas, ça allait trop vite, ça durait 20 secondes quoi, il s'énerve et tout d'un coup il se rue sur elle et il la jette de la fenêtre, 20 secondes quoi, c'est trop rapide pour moi, beaucoup trop rapide, mais sur le principe, j'accepte ça parce que voilà, crime passionnel et puis. Il a juste séparé son côté impulsif, bestial, mais on peut quand même croire que lorsqu'il revient en Dr. Jekyll, ce côté bestial qu'il enfuit au fond de lui, et il est toujours présent, quoi. Son Mr. Hyde, il n'a pas disparu. Dans l'absolu, logiquement, son sérum était censé faire scinder en deux son côté méchant, enfin son côté bestial, impulsif, et son côté. Et son côté réservé, son côté réfléchi. Et c'est pas du tout le cas ici. En fait, ça veut absolument rien dire par rapport à Regina, maintenant que j'y pense, parce que elle a toujours ses sentiments, des impulsions et tout, il n'y a pas de problème, donc c'est une grosse fumisterie, ça marche pas du tout son sérum en fait. C'est comme si c'était juste une version de lui qui cède plus à ses impulsions et une version de lui qui cède moins à ses impulsions, quoi. Mais même si c'est le cas, je comprends pas pourquoi il aurait prévu de s'en prendre à Belle, parce que voilà, il veut la tuer, Belle. Parce qu'il veut se venger de Rumpelstiltskin, qui juge responsable de ce qui est arrivé. D'ailleurs, oui, c'est quelqu'un qui blâme les autres. Ah, c'est à cause de Rumpelstiltskin et de Mr. Hyde que ma femme est morte et qu'elle n'est pas avec moi. Voilà, tout d'un coup, ça vient comme ça. Il y a rien dans les épisodes précédents qui laisse entendre ça. Ça va être aussi le gros problème avec l'histoire centrale de ce truc, quoi. Il y a rien qui amène ça. Je veux dire, Mr. Hyde et Dr. Jekyll ont été introduits de façon plutôt acceptable, je ne le nie pas. Ils ont été développés un petit peu avant, et là, rien. Rien du tout, quoi. Ça joue pas du tout sur ce qui était instauré avant. En fait, je vous cache pas que Mr. Hyde et Dr. Jekyll auraient été introduits l'épisode même, ça aurait été la même chose. Ça aurait même été un petit peu plus logique, hein. Ça aurait été moins gênant presque pour moi, mais. Ouais, Dr. Jekyll veut tuer Belle, qui est donc sans défense puisqu'elle est bloquée sur le bateau à cause du sort de Rumpelstiltskin. Oui, parce que oui, il a créé un sort qui empêche Hyde d'entrer, mais aussi empêche Belle de sortir. Voilà, donc il la force à être protégée, Belle. Mais bon, ça n'empêche pas Killian d'intervenir au dernier moment pour sauver Belle et d'embrocher Dr. Jekyll. Voilà, accidentellement, à nouveau, hein, il y a beaucoup de problèmes comme ça, où dès lors que quelqu'un s'en prend sauvagement à une personne, la première chose à faire, c'est on l'embroche. Hein. Par contre, des personnes comme Cora, lorsqu'on doit vraiment passer à un dernier recours, là, on considère ça comme une espèce de truc super grave qui va vous hanter pendant plusieurs épisodes, hein, saison 2 à nouveau. Bah, mais ça, hein, Dr. Jekyll ou Perceval, ça, on s'en branle un petit peu de ces personnages-là. Hein. Ils n'ont pas été présents suffisamment longtemps, ils n'ont pas d'importance aussi grave que d'autres personnages. Par contre, lorsque Blanche a tué Cora, ça, c'était super grave. Hein. Excusez-moi,
C'est à nouveau, j'ai tendance à considérer une série comme un tout, quoi, quelque chose qui se met en place au fur et à mesure. Et on sent clairement qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures sur la façon dont sont considérées telle ou telle chose. Et ça m'exaspère un petit peu. Ça m'exaspère un petit peu. Ouais, je sens que Kylian va n'en avoir rien à branler d'avoir tué Dr. Jekyll. Et ouais, cette espèce d'homicide, il s'en prend royalement. Et pourquoi il en aura quelque chose à branler? Et ouais, mais ce qu'on apprend après ça, c'est que en tuant Dr. Jekyll, l'original, et ben la copie meurt aussi. Donc ouais, Mr. Hyde meurt comme une merde. Alors que Dr. Jekyll se fait tuer. Il meurt en même temps. Un personnage qui promettait tellement. Et qui a énormément de choses non expliquées. Sur ce qu'il arrive à faire, qui est pas développé plus que ça, c'est super frustrant. Un des épisodes les plus frustrants de cette série, sérieusement. Et dans l'absolu, si vraiment il fallait regarder cet épisode en soi sans regarder plus loin que ça, c'est pas si mal. Mais non, je peux pas, quoi. Je peux pas apprécier cet épisode à cause de ça, quoi. C'est ultra frustrant pour le personnage qui promettait beaucoup. Bon, c'est pas tout à fait terminé. Il y a un petit passage pas trop mal avec Regina qui se rend compte que... Ah! Donc, apparemment, la seule façon de tuer moi, maléfique, ce serait de me tuer moi-même. Sachant qu'il y avait une potion que Dr. Jekyll a essayée qui n'a pas été testée. Vous pourriez pas essayer de vous inspirer de ses recherches, demander à Frankenstein ou un truc comme ça? Non. Vous n'avez pas y pensé, je pense, hein, j'imagine, hein, vous n'avez pas y pensé. Et puis elle se dit, c'est ce qui est intéressant là-dedans, que oui, malgré le fait que Dr. Jekyll était séparé de sa mauvaise moitié, eh ben, il a toujours cédé à ses impulsions, il a toujours fait ce qui n'était pas juste. Il a quand même fait ce qui n'était pas juste. Donc elle se dit que ouais, je ne suis pas libéré de mon côté maléfique. Autrement dit, tout ce que t'as fait, ça a servi à rien. Voilà, super. Le fait de me séparer de ma mauvaise moitié et tout, ça n'a servi absolument à rien pour ton karma intérieur ou quoi que ce soit. Ça ne veut absolument rien dire, en fait, cette potion qui divise en deux, quoi. Ça crée juste un double maléfique de soi-même, presque. C'est tout ce que ça fait. C'est tout ce que ça fait, ça crée ton double maléfique, presque. C'est tout ce que ça fait. Mais t'es exactement la même. Sachant qu'il reste un petit truc à raconter là-dedans, c'est qu'il y a une petite sous-intrigue autour de Blanche-Neige qui reprend les cours. Ouais, d'ailleurs, on voit très rapidement que Violette est une élève, histoire de dire que elle n'a pas disparu ce personnage, elle est encore là. Et donc, ouais, elle est assistée par une fille qui se fait appeler je sais pas comment et j'en ai rien à foutre puisque c'est Jasmine. On la prendra à la fin et j'avais déjà vu dans l'épisode 1. Donc, ouais, c'est. Au début, elle essaie de faire cours comme avant, parce que oui, elle aimait être prof. Elle leur parle de la troisième loi de Newton et les élèves sont complètement hermétiques. On peut rien du tout. Et donc, ils arrivent à rien. Et c'est là que la fille Jasmine lui fait un discours comme quoi, oui, mais vous êtes Blanche-Neige, maintenant vous devez changer votre approche et tout pour mieux vous faire respecter, mieux vous faire comprendre, mieux apprendre. Et comment elle apprend la troisième loi de Newton, c'est-à-dire chaque action entraîne une réaction, chaque force qui s'applique demande une force contraire qui doit s'appliquer en réaction, et ben elle montre ça en faisant du tir à l'arc. Allez, action, réaction, regardez, lance une flèche, et ben la réaction c'est que l'arbre l'arrête. Troisième loi de Newton! Vous voulez essayer? Oh, je suis une super prof! Vous savez, c'est ce genre de truc qui n'a aucun impact parce qu'on n'apprend rien là. Ouais, ils ont vachement appris quelque chose là. Ouais! Ils ont rien appris. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils ont appris quelque chose là. Ils sont juste amusés à faire du tir à l'arc, hein, c'est tout. Ouais. Et puis, je sais pas, les élèves. Qui décroche complètement de ce qu'on leur enseigne, alors que ouais, quoi, au début, quand elle enseignait durant les 28 ans de malédiction, et ben elle faisait ça normalement, et il y a beaucoup d'élèves qui comprenaient et qui suivaient. Là, elle fait ça de la même façon, et les élèves comprennent pas, suivent pas, parce que
Parce que c'est des cons, c'est tout ce que j'ai à dire. Si les élèves d'avant arrivaient à apprendre et pas ceux-là, alors qu'il y en a une bonne partie d'entre eux qui sont censés quand même être du coin, avoir les souvenirs de Storybrooke, non quoi, ça veut rien dire. Donc ouais, c'est une sous-intrigue pas très intéressante. Et puis bon, on apprend à la fin que Jasmine est en lien avec l'oracle qu'on a vu rapidement dans l'épisode 1 et qu'elle est toujours à la recherche d'Aladin qui se trouverait ici. Voilà. Voilà, donc bon, comme je m'y attendais, ça c'est pas très. C'est un peu logique. Aladin et Jasmine se sont retrouvés dans le monde des histoires non racontées pour mettre leur histoire en pause. Et voilà, donc. Ouais, je suis. Ouais, non, j'aime pas cet épisode. Voilà, c'est frustrant, frustrant et. Pas super intelligent sur beaucoup de points. Dommage, dommage. J'en ai pas parlé rapidement, mais il y a toute une scène entre Belle et Rumpelstiltskin, où Belle lui dit oh, tu veux encore tout contrôler, je veux plus être avec toi. Et Rumpel lui dit oh, même si tu m'aimes pas maintenant, je sais qu'un jour, par nécessité, tu vas repartir vers moi. Je m'en fous. Moi, je m'en fous réellement de ce couple là maintenant, donc. Ouais, frustrant, épisode frustrant, donc comme je l'ai dit, je suis pas fan. Voilà. Voilà, vous aviez un super méchant, un super antagoniste qui aurait pu être bien développé, vous l'avez foiré. Voilà, c'est très dommage. Mais bon, c'est presque une habitude maintenant, je trouve. Voilà, depuis la deuxième moitié de la saison 4, vous savez pas faire de bons méchants, en fait. Vraiment pas. Non, mais vraiment, hein, depuis la deuxième moitié de la saison 4, l'auteur est un méchant de merde à la fin, un ingénieur à la con. Première moitié de la saison 5, on croit que ça va être Emma, mais en fait, non. Donc, c'est juste. Elle a juste gardé, refoulé son problème et il n'en a parlé à personne. Donc, c'était pas intéressant et Kylian tombe comme un cheveu sur la soupe en tant que méchant à la fin. Donc, ça n'avait aucun intérêt. Deuxième moitié de la saison 5. Méchant superbe avec Hadès, une fois qu'il tombe amoureux de Zelena et qu'on crée cette espèce d'histoire où il la manipule et qu'on crée cette espèce de Deus Ex Machina pour en finir avec lui, foirage complet, vous savez pas si bien gérer votre méchant. Et là, Hyde, concept très intéressant, un personnage qui pète la classe, vous expliquez pas son passé et vous le tuez comme une merde. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On va avoir la méchanterelle. Donc, une resucée de ce qui a été fait avant, quoi. On reprend ce qui a été fait avant avec une méchante qu'on connaît bien, qui à plusieurs reprises a eu les gentils à sa merci, mais s'est pas servi de ça parce que voilà, elle veut faire durer les choses et c'est ça qui va la détruire. C'est bien. Les épisodes 2 et 3, ouais, ça promettait des trucs. Cet épisode 4, ça fait retomber le soufflet, vraiment, je vous le cache pas. Frère. Enfin, on verra bien, peut-être que ça remontera bien par la suite, mais. Et ça fait retomber le soufflet cet épisode 4, alors que les épisodes 2 et 3 me promettaient quelque chose de pas mal, quoi. Et mais on verra pour la suite. À bientôt pour l'épisode 5, ciao!